C'est vous qui criez ? Oui, y a un cadavre en bas. Un cadavre ? Oui. Un cadavre. Et où ça ? Là-dedans ? Oui, dans les câbles. C'est ouvert ? Je crois. Mais la porte est fermée, qui a la clé ? Ben, j'en sais pas. Vous n'avez pas la clé ? C'est peut-être la taupe. La taupe, c'est qui ? C'est le colocataire. Le colocataire de la victime ? De la victime. La victime ? La victime, juste là. Et elle était comment, la victime ? Elle était allongée, elle avait une carte dans sa main. Je crois. Carte ? Je crois que c'était l'as de cœur. Ah, une carte à jouer, un as de cœur ? Oui. Peut-être un problème de cœur. Je vais aller voir. Police ! Ouvrez, c'est la police. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Inspecteur Barnabus. Oui, je suis à la recherche de madame Fontaine. Bah, moi aussi. Ça fait plusieurs jours qu'elle a disparu, je suis assez inquiet. Ah, parce qu'apparemment, elle aurait été vue allongée dans la cave. Ah, par qui ? Par la bonne. La porte est actuellement fermée. Est-ce que vous auriez la clé ? Je n'ai pas la clé. En fait, c'est Claire Fontaine qui l'a. Oui. Sur elle, parce qu'elle est partie avec. Et je sais que quand elle est partie, elle devait aller chercher du riz au dealer qui est au coin de la rue. Et ah, dealer de riz ? Oui, donc je sais pas. Et ça fait 3 jours, donc elle est pas revenue. D'accord. Bon, écoutez, elle est loin de la rue du dealer de riz ? Elle est juste là, dans le... à 500 mètres. Juste derrière là-bas ? Oui. Très bien, monsieur. Écoutez, pour les raisons de l'enquête, je vous demanderai de ne pas quitter votre domicile. Pas de problème. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas, la police est là, la police veille. Donc, je vais aller voir ce dealer de riz qui m'a l'air très suspect. Bonjour monsieur. Bonjour. Inspecteur Barnabus, c'est la police, pas de panique. Ok. Je cherche une dénommée Claire Fontaine. Ah, désolé, je connais pas. Vous connaissez pas ? Non. Il paraît de sources sûres qu'elle aurait rendez-vous avec vous, monsieur. Ah, non. Écoutez, madame Fontaine avait rendez-vous avec vous pour un pochon de 30 grammes de riz, pas coupé, venant d'Indonésie. Ah, bah, je sais pas. C'est la police, ne déconnez pas, monsieur. Inspecteur Barnabus. Bon, est-ce que vous voulez m'en acheter ou quoi ? Oui, je peux pas acheter votre riz, monsieur. Je veux savoir si vous avez vu Fontaine. 30 euros. Non, je connais pas Pierre Fontaine. C'est qui ? C'est où ? C'est quand ? C'est comment ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est Claire Fontaine. Oui, bah, je connais pas, désolé. Pas de Fontaine ? Non. Je vous ai à l'œil depuis un certain moment, monsieur. Je peux vous dire que je vous vois. Bon, bah, ça, on voit bien que vous nous voyez. Vous l'avez vu, que je vous ai vu ? Ouais. Attention, je reviendrai, monsieur. Et attention, monsieur, circulez, hein. Moi, je veux pas voir ça, hein. Allez, sinon, j'embarque à la brigade. Achetez-le, moi. Ah ouais ? C'est du riz qui vient d'où, ça ? C'est du coupé, pas coupé ? Coupé. C'est coupé ? Qu'est-ce que c'est que ce trafic de riz ? Je vais retourner voir la taupe, parce qu'apparemment, il y a un mensonge dans l'histoire. Mais qui est l'assassin ? Qui est la victime ? Ouvrez, c'est la police. Bonjour. Rebonjour, monsieur. Bonjour. Inspecteur Barnabus. Je suis allé voir votre ami, le dealer de riz. Oui. Et il n'a pas vu madame Fontaine. Ah bon ? Oui, alors comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'organise ? Je sais qu'elle avait rendez-vous avec lui il y a 3 jours, mais... Vous êtes sûr de sources sûres ? J'en suis sûr, oui, parce qu'elle voulait faire du riz le soir même, donc... D'accord, mais il ne l'a pas vu, le dealer de riz. Je sais pas. Vous auriez une autre idée ? Ah, peut-être aller voir sa voyante.
Une voyante? Madame Irma, c'est la voyante de tout l'immeuble. Où est cette madame Irma? Elle est au premier étage. Au premier? D'accord. Vous pouvez la voir et peut-être qu'elle vous donne des informations. Mais je ne savais vraiment pas... Très intéressant. Merci monsieur, je vais aller voir tout ce pas madame Irma. Bonjour, je suis l'inspecteur Barnabus de la police. Oui, je vous ai vu dans la boule. Vous êtes une voyante, qu'est-ce que vous avez vu? Oui, je vois Claire Fontaine dans ma boule. Ah! Elle n'est pas seule, elle est dans la cave avec un homme. Ah! Avec une cape rouge. D'accord. Avec des cartes. Une veste rouge, des cartes? Ça m'a l'air bizarre tout ça. Je vais aller la voir, je vais aller l'inspecter. Merci beaucoup, madame Irma. Revenez si vous avez besoin. Bonne chance avec votre boule. Voilà, c'était le 4. Ouais. Et on se retrouve demain pour un nouveau tour. C'était Roland Pimpant. Allez, à la prochaine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ici inspecteur Barnabus de la police de la Guerche. Je recherche une dénommée Claire Fontaine. Apparemment, elle aurait été avec vous. Je connais pas. Vous ne connaissez pas de madame Fontaine? Non. Pourtant, on m'a affirmé que vous l'aviez vue, vous l'aviez rencontrée. Ça ne dit rien du tout. Dans une cave. Alors là, je ne saurais pas vous dire quelle cave que vous parlez. Vous êtes magicien? Oui. Vous avez des cartes? Oui. Puis-je voir ce jeu de cartes? Il n'y a pas de souci. Je ne vois pas l'as de cœur dans ce jeu. Parce que je l'ai acheté où il n'y avait pas de as de cœur. Il n'y en avait pas. Ils vous ont vendu un jeu sans as de cœur? Oui. C'est un peu bizarre cette histoire, non? Non, moi on l'a vendu sans. Sans? C'est un peu bizarre votre histoire, monsieur. Excusez-moi d'être suspicieux, mais il manque une carte dans un jeu. Pour un magicien, c'est embêtant qu'il manque une carte, non? Non, on peut faire sans. Parce que la victime aurait été retrouvée avec l'as de cœur dans sa main. Allongée par terre dans une cave. Je sais pas du tout, moi j'avais pas de as de cœur. Vous m'avez l'air bizarre, monsieur. Je n'aime pas trop votre regard belliqueux. Vous êtes sûr que vous avez rien à me dire, monsieur? Non, vous savez, sûr. Vous pouvez prendre 10 ans. Non, sûr. Vous protégez quelqu'un? Non. Vous protégez quelque chose? Non. Maintenant, je rigole plus, mon garçon. Ouais, c'est bon, allez, je vais vous dire, c'est la taupe. Monsieur la taupe? Oui. Le colocataire de Fontaine? Oui. Donc vous connaissez bien madame Fontaine? Oui, oui. Donc vous m'avez pris pour un jambon-beurre? Oui. Attention, donc vous êtes sûr c'est la taupe? Oui, sûr. Il y a un trafic avec la taupe? Oui, oui. Je vais l'interroger. Ne bougez pas d'ici, ne quittez pas le département ni le territoire. Ok. Attention, monsieur. Inspecteur Barnabus, en place. Je vais voir la taupe. Police, vous ouvrez? Oui, bonjour. Monsieur Latope? Oui. Il faut que je vous parle sérieusement. Allez-y. Monsieur Roland Pimpant vous accuse. Il m'accuse de quoi? Il vous accuse d'avoir agressé madame Fontaine, de l'avoir enfermée sauvagement dans cette cave. Maintenant, il faudrait me dire la vérité. Bon, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai... Voilà, tous les deux, je suis soupçonné d'être ensemble. Et Et donc, si c'était ensemble, la Fontaine avait quitté la coloc. Et comme j'avais passé pour payer le loyer tout seul, Et donc vous l'avez enfermée? Oui. Mais donc là, elle est vivante ou elle est morte? Je sais pas, faudrait que je... Vous avez les clés alors? Je vais aller chercher. Allez chercher les clés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas. La victime est-elle morte? Est-elle vivante? Les voici, monsieur. Ah. Voici les clés. Les clés, parfait. Allons délivrer. Allez, venez, venez. Ah, Claire Fontaine. Mais alors, bonjour, monsieur l'inspecteur. Mais vous n'êtes pas morte? Non. Mais tout le monde vous cherche. J'avais fait une crise d'épilepsie et puis là, d'un coup, je me trouvais enfermée, je pouvais plus rentrer chez moi. Une crise d'épilepsie? Mais on pensait à un crime. Pourtant, j'ai rien fait. Monsieur Latope, pensez que vous allez quitter l'appartement pour Monsieur Roland Pimpant, pour sortir avec le magicien.
Mais le magicien, c'est qu'un ami, ce n'est pas mon amant. Donc, le magicien aurait-il menti? La taupe est-il parmi nous? Mais où est donc Ornicard? Pourquoi la terre est plate? Les amis, vous en saurez plus en regardant la prochaine. Tu reviendrais. Il y a un cabane dans la cave. Ah, ça va être compliqué si tu joues comme ça. Ah eh bien, qu'est-ce qui se passe, messieurs? Vous savez, ma femme me disait souvent, l'assassin est dans la salle. Ah, c'était Columbo. C'est Columbo, il est fou. Mais oui, mon cher ami. Mais non. Qu'est-ce qui se passe-t-il? T'as fermé la cave? J'ai fermé la cave. Non, mais attends, on va reprendre un peu parce que... Non, mais c'est...